Ok, c'est Flo. Bon, allez, je vous retrouve pour cette deuxième partie d'Alien Isolation VR. Enfin, du moins, Alien Isolation. Bon, j'ai rajouté le petit mode VR. Voilà. Donc là, je me suis mieux réajusté hein, cette fois-ci. On va être un peu au milieu de la caméra, au milieu de l'écran, au milieu de tout. Voilà. Donc je vais continuer. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, quelle est ma mission là? Explorer le torrent, explorer le vaisseau. Ok. Ah, je dois trouver Samuels. Parler à Samuel, il est là-bas. À droite. Bah là, il faut que je retourne derrière à gauche. Étage légende, zoomer. Mais c'est cool, défiler. Ok, bon, on s'en fout. On va voir le terminal. J'ai peur. Requête de dossier. Il va falloir un petit moment pour éplucher les fichiers. Je recule parce que le truc, c'est un peu abusé. C'est joliment bien fait, hein? Plein de touches bizarres, mais bon. Wayland a disparu. Aucune trace de la charge ou même son équipage. De l'officier. Je sais pas ce que c'est. Ça va être compliqué, hein, les touches, hein, je pense. Faudrait que je me les programme un peu mieux, à mon avis. Okay. Là-bas, je crois que c'est le pont. Je sais pas si je peux... Non, je crois que c'est mort, là. La porte est fermée. Ok. Il faut que j'aille parler à Samuels. Pouvoir courir, par contre. Je vais me accroupir, là. J'ai peur. Ok, allez, go. C'est quoi, ça? C'est la zone de repos. C'est un peu de la merde. Hein. Qui est tombé par terre? Les godasses. Allez, let's go. Essayez de trouver Samuels. Je sais plus où je dois aller là. Oh, bah, je peux aller à droite. Je sais plus si je viens de la droite ou pas. Ah non, ça me dit rien. Si je pouvais courir sérieusement, ça m'arrangerait. Et... Ah, par contre. Samuels, il est là. Hey Ah, Samuels. Ripley. Samuels, vous êtes déjà debout? Eh bien, je n'ai pas autant besoin de sommeil que vous tous. J'étais justement en train d'inspecter les installations du Torrens. C'est un vaisseau bien entretenu. Je viens de réaliser que c'est un modèle très similaire au... Au Nostromo? Oui, classe M. Un modèle un peu plus récent, mais aux spécifications similaires. J'ai fait des boulots de méca sur des appareils comme ça. Je comprends. Est-ce que Taylor est réveillée? Elle manque d'expérience en matière de voyage. L'hypersommeil ne lui a sans doute pas fait du bien. On a discuté. Elle avait l'air nerveuse. Je n'avais pas remarqué. Mais c'est une employée très compétente. Elle n'hésitera sans doute pas à nous aider si on rencontre des soucis d'ordre légal. Tout personnel sur le pont. Station Sébastopol en approche. On est arrivé. Ah, faire un point. Alors, je veux juste... Normalement, pouvoir régler la hauteur, je crois, parce que... Peu petit là non? Bon, on s'en fout. Sans d'être légèrement petit par rapport à la carte. Ouais, c'est pas grave, allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, d'accord, ok.
Je regarde en bas, bon, ça, après c'est sûr, c'est pas forcément parfait, hein. Parce que le mode, il était pas natif dans le jeu, donc forcément, c'est une qui l'ont créé, bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu, hein. Avec le truc du sol, c'est un peu chiant. Ah oui, bon, d'accord. Et je dois aller où? Putain, je dois aller... Je sais même pas où je dois aller. Aller sur le pont pour faire un point. Personnel. Faire sommeil. Dortoir. Aller sur le pont pour faire un point. Donc, tout droit et à gauche. Je peux toujours pas couvrir, c'est chiant. Gauche là-bas, c'est ça? Ça. Droit là, il me semble. Ah voilà. J'espère que vous avez tous fait bon voyage. Pour un vieux classe M, le Torrens est en très bonne forme, capitaine. C'était une épave quand je l'ai acheté. Ça m'a pris des années et beaucoup de contrats pour le retaper. Aujourd'hui, il est bien rentabilisé. Vous avez dit qu'on approchait de la station Sébastopol. Est-ce qu'on va s'amarrer? Votre contact est le Marshal Waits, si je ne me trompe pas. Je vais prévenir Sébastopol et arranger le débarquement avec lui. Bien. La même taille que la fille. C'est parti, au boulot. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Taylor. Mission de routine, on fait que passer. Connor, comment ça se présente? ISMG chargé, calibré. Vecteur d'approche, verrouillé. Prépare les coms que je les salue. Séquence ouverte, capitaine. Est-ce que vous avez tous pris vos documents de briefing? Vous pouvez observer l'approche sur les écrans. Alors, ramassez votre briefing. Quoi ça? C'est bien, en plus on est dans un vaisseau spatial, c'est cool. On briefing. Ramasser le briefing. Je vais juste explorer 2 minutes. Ouh. Je suis dans l'espace. Ça c'est cool, non? Putain, mais je suis si petit que ça. Oh. Vas-y, bouge. Salut les gars. Pas beaucoup de discussions, hein. Vous voulez pas faire des petites blagounettes là? Non? Bon. Dommage, hein, parce que bon. Lui, il fait que de me suivre, on casse les couilles. Qu'est-ce que tu fais, toi? Quoi ça? Manuel d'utilisateur. Lorenz. T'es pas un peu chier devant ton écran là? Non? Bon. Allez, je récupère mon briefing. Est-ce qu'on pourrait voir? Passe aux écrans de contrôle. Voici la station Sébastopol. Il y a des dégâts? On dirait bien que oui, en effet. Zoom sur le 74, resserre l'angle. La baie de laquelle sèche a l'air complètement foutue. Je peux pas amener le Torrens là-dedans. Vaisseau de commerce Torrens au départ de Sinclair, immatriculé MSV 7760. Appel à la tour de contrôle de Sébastopol. Je transporte avec moi 3 passagers pour le compte de la Weyland Yutani. Vous détenez la boîte noire du vaisseau Nostromo. Nous demandons l'autorisation pour transfert immédiat de nos passagers à bâbord. À vous. Marshal? Marshal, ici le Torrens. Répétez. Ouais, communication un petit peu merdique, hein, je trouve. Oh, c'est classique, hein, dans ce genre de... Les communications de la station ont l'air bousillées. Genre de donc truc. J'ai équipé la combinaison de Samuels avec un ampli radio. Je peux maintenir le Torrens en position que pendant 24 heures. On vous aura déjà contacté depuis longtemps. Bon voyage. Venez,
Mon contrat parlait pas de foutue sortie dans l'espace. C'est la seule option. Et y a rien à craindre si tu fais ce que je te dis. Oh merde. Bah ça y est, je me blâte tout seul, merde. Puis demain, Nexana. J'ai même pas le temps de lire les conseils. C'est pas grave, je la prendrai à mes dépens, à mon avis. Misère. Super, j'y vais avec un casque dans un casque. Je jure, pas stressant le truc. Trouver de l'aide. On aurait bien besoin. Ah, se changer. Ah. Okay. Oh, ça va, elle a même pas pété, hein. Donc comme dit, hein, je n'ai jamais fait ce jeu, donc je ne sais pas du tout ce qui m'attend, putain. En sachant qu'à la base, hein, il n'était pas fait en VR, hein, donc... Je profite par contre qu'un mec l'ait créé le mode pour me lancer directement dedans. Utilise les bandes d'enregistrement. Ah ouais, vous serez averti si des ennemis sont proches. Ok, donc là, je dois aller au téléphone. Hein. Ah bah super, la carte, elle est complètement... Et complètement rien. Ok. Je vais sauver la partie. Je me chie pas dessus, je sauve la partie. Êtes-vous sûr de vouloir écraser les données de sauvegarde actuelles? Oui. Veuillez patienter. Parce que c'est censé me... Veuillez patienter. Ah c'est, je peux pas enregistrer une deuxième fois. Ramasser Kaamelott. Des schémas pour vous aider à fabriquer des objets avec les éléments que vous ramassez. Oh super, on va faire du crafting. Craft en plus. Et je sais pas ce que je dois faire, je sais pas où je dois aller. Visiblement pas. Donc, trouver de l'aide, hein. Chercher de l'aide dans le terminal des vols spatiaux. C'est quoi à droite là-bas? Pourquoi je suis allé à droite? Attention, stabilité de Sébastopol compromise. Veuillez vous rendre au poste de contrôle du Marshall et y rester jusqu'au réalignement des stabilisateurs orbitaux. J'ai pas compris. Je vais aller à gauche. On va me dire, mais pourquoi à gauche, hein?
Airlock, je crois que c'est les stabilisateurs, ça. Ah, d'accord, ok. Ok, je viens de tourner en rond, c'est bien. Tant mieux, ça veut dire que cette zone-là, au moins, elle est explorée. Ah ouais. Bon, je vois pas mes mains, mais... J'ai besoin. Je les verrai peut-être quand j'aurai des armes un jour. Bon, je crois que... Je peux avoir des armes, mais... Bloqué par là aussi, non? Je ne suis pas rassuré du tout, bordel. Bon, inutile de dire que par là, je crève. Je vais aller dans le conduit. Ah, c'est sa mère, c'est à peine pas flippant. Bon, j'espère qu'il n'y en a pas des... Ah, des... Je sais plus. Quand on a peur du... De rester enfermé comme ça. Des claustrophobes. Ah, moi, ça m'a l'air bien parti. Non, mais il y a de l'air, vous en faites pas. Je rampe. Derrière les flammes. Alors j'ai une petite barre de vie sur le HUD, bon. Chercher de l'aide, hein. Le truc c'est que je sais pas, hein. Je sais pas s'il y a déjà un alien ou pas dedans. J'en profite pour regarder ma carte. J'ai passé par là. Bon, tout est fermé par là, bien sûr. Normal, hein. Alors, est-ce que j'ai un inventaire quelque part? C'est quoi ça? Accident du Nostromo. C'est quoi? Registre personnel. Surveillance. Ah, left stick. Bah, left stick. Merde, j'avais autre chose pour left stick en fait. Ok. Ah, Y, le légende. Bah oui, le problème c'est que... J'ai réussi à l'activer, je sais pas comment. Ah d'accord, il y a plusieurs trucs. Plusieurs étages, j'imagine. Ouais, c'est des étages ou des... D'autres trucs. Je suis censé aller par là, je pense. Un stabilisateur de vol. Ah, un terminal. Fichier corrompu. Défilé sélectionné. Il est corrompu, hein, qu'est-ce que tu veux. Merde. J'ai pas vu tout ce que je voulais. Allez, faut que je descende. Démantèlement. Bon, après, je veux pas tout lire, hein. Mise hors service, j'en travaille plus en détail avec chacun. Challenge. Ok, bon, il n'y a rien de plus. Ah merde, je m'en doutais. Où je suis là? Hein? M'étonne, je viens de chuter, putain. Un fumigène. C'est pas mal. Maintenir pour ouvrir l'inventaire, utiliser LS pour sélectionner des objets. Maintenir, alors je sais jamais ce que c'est ce truc-là. Oh putain. Appuyer pour activer. Bon, les mains sont pas indépendantes, hein. J'aurais cru, mais non. En fait, c'est juste surtout le casque.
Et mes mains n'ont en fait aucune incidence sur le jeu lui-même. Viser, maintenir, placer. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, bah. Je dois récupérer ou pas? Là, j'ai lâché le fumigène, je suis dégoûté. Alors, maintenir RS, right stick. Quoi pour s'accroupir, qu'est-ce que ça veut dire? Appuyer sur RS pour s'accroupir. Bah, le truc, non, c'est que c'est le left trigger en fait. C'est ça qui est un peu idiot. C'est que j'ai lâché le fumigène, je sais pas pourquoi il me l'a fait lâcher là. Gaffe ça. J'aurais bien aimé le récupérer, mais. La lâcher, c'est chiant. Tant pis. Voilà, là je m'enlève. En plus, il me donne les mauvais boutons, l'enfoiré. Right stick, alors que non, c'était le left trigger. Merde, il y a deux chemins. Je sais pas pourquoi j'ai pris celui de gauche. Hein. Des trucs. Masser Kaamelott. Grimper. Ouais, je vais continuer à explorer l'autre côté là. Vraiment rien pour courir, ça m'étonne ça. J'ai tout de même vérifié. Ça me surprend un peu, hein. Merde. Pas évident les touches. Option. Écoute. Alors si sprint, L touchpad, clic. Faudrait que je clique sur le left. Tracker de mouvement, L grip. Je pense que c'est un grip. R grip pour tirer. R pour tirer, d'accord. Reload activate. Ouch, ok. Regarde, ce serait pour viser. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Flashlight, press interact. Laissez interagir près de la tête. Est-ce que je peux déjà sprinter en fait? C'était ça la question. Alors, touchpad. Qu'est-ce que je voulais voir? Ah ouais, L grip. Enlever comme ça direct. Non, en fait, puisque quand j'appuie. Ah, je cours, merde, d'accord. D'accord, au besoin, je peux faire ça. Donc j'utiliserai plutôt le... Abaisser la rampe à bagages. Ah, d'accord. Au mieux, c'est bien.
Capteur de mouvement, en fait, je l'ai pas encore, c'est pour ça. J'ai une caisse, chercher. Ramasser objet, tout ramasser, sortir. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord, j'ai tout ramassé. Ramasser mélange B. Ouais, d'accord, je garde le fumigène. Lâche le fumigène ou... Ah, j'ai lâché le fumigène, ouais, d'accord, merde. Ah, c'est détecteur. Ouais, ok. Ramasser le détecteur. C'est ça? Elle grippe, non. Qu'est-ce que c'est? Ça doit être des composants sûrement pour crafter des trucs. Je suis où dans mon petit vaisseau là? Terminal des vols spatiaux. Échelle, d'accord. En haut de l'échelle, mais. Ah, changer étage. Ça, d'accord, c'est pour activer la légende. Je suis. Ok, bon, on va rester à cet étage-là. Eh oh. Y'a quelqu'un. Ah, rétablir le courant. Je mets, il fait à peine pas sombre. Oh, quelque chose qui. Sérieux, mot de passe requis. Il n'y a pas de courant. J'aurais bien pris ce tube là, mais... Il fait du bruit. C'est là où je pense, hein, dans le centre de commande. Bon, évidemment, si c'était réel, hein... Ouh là d'ailleurs. Si c'était réel, je pense que jamais... j'irais dans un vaisseau comme ça. Utiliser terminaux pour mettre à jour la carte. Utiliser pour ouvrir la carte. Utiliser la carte. Ah d'accord. Qu'est-ce que c'est que ces salles? Salle fermée, je pense. Ce qui nous dit verrouiller. D'accord. Verrou. C'est. D'accord, donc j'ai trouvé la carte. Je suis heureux. Ouais, bah super la carte. La carte de cet étage-là, hein. J'avais deux. Il n'y a jamais rien qui marche ici. Restaurer le courant du store. Je vois pas par contre, est-ce que c'est un escalier? Escalier, ouais. Je vois pas, c'est trop sombre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Sauver la partie. Êtes-vous sûr de vouloir écraser vos données de sauvegarde actuelles? Hein, je dis que oui. Puissance faible, d'accord. On va activer cette merde. Ah d'accord, je dois appuyer plusieurs fois sur la touche, putain. Et combien que je vais m'électrocuter, non? C'est ça d'habitude. Bon. Patienter un ordi. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que tu cherches notre stock?
15-1 des KGB. Tu devrais pouvoir le trouver. Le code, c'est 0340. 0340. Est-ce que je vais le retenir? Zone descente au terminal maintenant. Après, ce qui est passé. Ah, autre chose, on n'a plus de médoc. On est presque à court d'eau. Ton tour, on aura peut-être à mieux prendre soin de nos affaires à l'avenir. 0340. Utilitaire. Audio, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire quoi? Je dois faire quoi? Piste quelque part à la salle des machines, verrouille le terminal, coupe le coup. Ce sera fini. Harris, Turner, revenez ici immédiatement. On a une piste quelque part à la salle des machines. Verrouillez le terminal, coupez le courant et n'oubliez pas vos rapports. Et qu'ils soient en béton. On va avoir besoin d'une paperasse irréprochable quand tout ce foutoir sera fini. Waits, terminé. Harris, Turner, revenez ici immédiatement. On a une piste quelque part à la salle des machines. Retour. Coupez le courant et n'oubliez pas vos rapports. Et qu'il soit en béton. On va avoir besoin d'une paperasse irréprochable quand tout ce foutoir sera fini. C'est les commandes, hein. Faut que j'apprenne à les manipuler. Établir le courant des départs. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, y a des mecs qui se sont barrés. Des fumiers. J'ai déjà oublié le code. Je vais juste leur vérifier. 0340, hein, il me semble. 0340, c'est ça. Service Sébastopol. Hein. Ok, super. Je vais sauver la partie tout de suite, hein, si je suis à côté. Oui. Oui. Est-ce que ça me l'a validé, en fait? Je sais pas. Pas du tout. Je vais pas aller par là. D'abord, voir si je peux explorer... station là-bas. Qu'est-ce que je dois faire là? Chercher de l'aide dans le terminal, continuer d'avancer dans le terminal à la recherche d'aide. Bon, je vais sprinter un petit peu. Bienvenue à la station Sébastopol, votre foyer. Il y avait un code là, 0340, mais c'est peut-être pas ça en fait. Tapez le mot de passe. Déplacer curseur, confirmer, sortir. Ah, j'ai accès au journal? Non, là. Non, c'est pas ça le journal. RG. Là. Ah, il l'enregistre, très bien. Et très bien, donc 0340. Confirmé. Yes. Pistolet seringue. D'accord. Medkit V1. Schéma ramassé. Vous venez de trouver un schéma utilisé pour accéder au menu de fabrication et de construire avec les éléments ramassés. Je dois appuyer pour activer. Je dois utiliser quoi pour fabriquer? LG, non, c'est ça? Oh! Qu'est-ce que c'est que tout ça? Appuyer sur LG pour fabriquer. Engager élément, déplacer le curseur. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Le medkit pour vous soigner partiellement. Oh là là. Ouais.
On verra après, je pense. Non, logiquement, je dois pas le faire tout de suite, mais... Pas de la merde, la camelote. Pistolet stringue. Non, faut que j'apprenne à le faire, hein. J'ai pas le choix, hein, merde. Donc, je vais activer. Attends, je vais reculer un petit peu. La porte se ferme. C'est pour bouger. Donc là, j'active là. Il faut que je fasse quoi? Engager élément. Progression. Là, c'est un mélange. Là, agent collant. Appuyez sur LG pour fabriquer. LG. Ah, left grip, c'est ça. Objet fabriqué. Activé, mais est-ce que je peux... Je peux faire autre chose avec mon inventaire, en fait. Est-ce que je peux, par exemple, ne pas le sélectionner ? Le problème, c'est ça, c'est une fois que je l'ai là-dedans... Ok, je viens de me soigner, bon. Merci. Pack de recharge, tout ramassé, hein. Évidemment. On va tout prendre, ça c'est bien. On va refermer la porte, les bâtards, non? Ah, ils ont refermé la porte, ok. Oh, le truc qui bip là à chaque fois, c'est chiant. Pour le téléphone, non? Ça. Ah, c'est ça. Allez, on continue à explorer. Je sais pas sur quoi j'ai appuyé par contre là. J'en sais rien. Bon, bah voilà, bah, il me reste plus qu'un chemin hein, maintenant. On est par là. Ouais, évidemment. On fait électrocuter, tu crois? Mais chier. Pourquoi je me suis pas baissé, du coup? Enfin, je voulais être sûr, mais effectivement, bon, même le... Même l'environnement, en fait, peut me flinguer. Ah, putain. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai beaucoup exploré, hein. Ce que je fais en premier. Monte déjà. Putain. Un soudeur ionique. Vache. J'ai trouvé plein de trucs, putain.
Drôle de façon de courir. Ouais, j'ai dit que je montais en plus. Je sais pas pourquoi je suis pas monté. Censé monter les escaliers. Voilà. Ça, c'est ça son sprint. Pas de mal. Soudeur ionique. Bon, bah, visiblement. Alors, du soudeur ionique. Un peu comme un débile. Ouais, le sprint quand même. Allez, hop. Il ne reste que ça. Hein. Oh, je suis où là? Je suis là. La saloperie. Et il ferme tout. Les enfants, il n'y a plus d'électricité. Pourquoi ils ont coupé le jus? Ils ont coupé le courant, putain. Flight. Le truc que je me dis, c'est que je suis encore peut-être dans la phase de tutoriel, mais... dans la phase de tutoriel. Alors contactez le Torrens, il vous cherche. Trouvez un moyen de contacter le vaisseau depuis la station. Ça m'aide pas parce que je sais pas où je suis censé aller. Il m'indique pas où je dois aller. Merde. Il m'indique où je suis mais il m'indique pas où je dois aller. En plus, je vois que dalle. Je vois pas un fumigène encore. Ah, fumigène. Oh, bah, ça me. Ouais. C'est vrai que le fumigène, c'est pas. Pas le top, hein. Pas grimper, de toute façon, je peux rien faire là. T'es d'accord, hein. Bloqué comme un con ici. Ah bah. Il y a des objets à récupérer. Bien sûr. Là, le problème, c'est qu'il faut que je fasse marche arrière. Donc le jeu, il sait que je dois faire marche arrière, forcément. Donc il va me prévoir quelque chose de pas sympathique. Forcément, puisque c'est scénarisé, donc... Même plus de courant, il n'y a plus rien. Malheureusement, je peux faire que marche arrière.
Ah non, faut aller par là. Ah bah non, j'ai cru. C'est marrant, j'ai cru que je pouvais traverser par là, non? Non, c'est trop compliqué. T'as vu? Je n'ai pas envie. Ah bah non, de toute façon, il n'y aurait rien. Mais je pouvais descendre, je suis bête. Il y avait un escalier. Ah, j'y crois pas. Il y avait quand même juste un escalier. Je sais pas pourquoi je suis pas descendu. De rayonique. Sérieux? Ah, c'est des trucs qu'on voit pas tout de suite. Allez, replay court. Replay. J'irai plus vite à pied. Pas à pied. Marchant, quoi. Et donc, je vois que dalle, hein, mais je pense qu'à un moment donné, je vais trouver une lampe torche. Parce qu'ils me disent que je pourrais activer la lampe torche, donc. Là, je pouvais. On va descendre, je sais pas pourquoi, j'ai cru qu'il y avait rien. J'ai pas vu. C'est un peu débile. Franchement. Bon, j'admets, le perso aurait pu sauter quand même là. Il est de sauter ici. Ah oui, rétablir le courant. Ok. Effectivement, c'est par là que je dois aller. Voilà, comme quoi j'aurais pu passer encore 20 ans. Pourtant, logiquement, le jeu est plutôt linéaire. Ah, forcément. Ah, je peux interagir avec quelque chose ici. Gêne. Les bonhommes d'arcade. Voilà le courant. Utilisé. Activé trois fois. Espèce de générateur. La porte vient de s'ouvrir là-bas. Toujours une crainte, c'est qu'il y a un truc qui sorte par les portes qui viennent d'ouvrir, quoi. Autre palais. Bien parce que c'est à peine pas par là que je dois aller. J'avais dit qu'il y avait des trucs dedans. Je viens de voir quelque chose se déplacer là. Ça fait chier. Allez, je dois y aller de toute façon. Il y avait un truc là-dedans, non? Téléphone. Jones, update du jour. Suite à de nombreuses demandes, le Marshal Waits a finalement organisé une réunion publique pour répondre aux rumeurs qui circulent au sein de Sébastopol. Au lieu de fournir les explications escomptées, Waits est resté évasif. Quelques minutes à peine ont suffi pour que son équipe et lui soient la cible de projectiles lancés par une foule en colère. Un coup de feu a retenti. Ça a semé la panique et à présent, Waits et ce qui reste de son équipe éjectent tout le monde du terminal par la force. On ne peut plus compter que sur soi-même. Ça, je viens de le lire, ok. Ah, il y a une trappe. Ouvrir le conduit. C'est quoi, j'irai après. Mais je sauvegarde tout de suite. Attends, je vais déjà regarder là. Terminal. Je serai juste après. Désolé, j'ai pas besoin que tu viennes la semaine prochaine. Avec nous, on dirait que la station tout entière est dans le rouge. Et qu'est-ce qu'on a ? Tous les employés du terminal. De la sécurité publique.
Les passagers au départ de Sébastopol avec aucun vaisseau ne sont disponibles. Ok. Scapolo. C'est l'IA centrale qui surveille et assiste tous les lambdas de Sixon sur Sébastopol, ouais. Je révise également toutes les communications sur la station. Soyez, vous êtes en temps de bonne main. Bon. Ok, je retourne. Oh. Toujours que je contacte, hein. Torrens, je vais sauvegarder. Forcément, faut sauvegarder. Oui. La sauvegarde. Ah oui, c'est bon, j'ai. Ok, je fais juste un point. Hop, sur l'heure. Et. Dans le monde réel. Pas plus mal. T'as entendu bien une petite pause. Ok, bon, ça fait déjà 50 minutes. J'ai coupé et on se retrouve tout à l'heure. Allez.